Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Charles Blé Goudé. Il était au CP1. Au CP1. Son arrivée, il a fait un discours vraiment qui m'a pas plu. J'ai dit, moi, je le suis des viseurs. Ça m'a pas plu. Moi, je pensais qu'il allait faire au moins un discours vraiment de morale, un discours qui pouvait dire oui, franchement, ce gars-là, oui, il est en train de parler, oui. Ce qu'il dit là, vraiment, ça rentre dans mon corps. Moi seulement, ce n'est pas rentré dans mon corps. Ce n'est pas rentré dans mon corps. C'est le discours qu'il attendait de lui. Ce n'est pas ça. Je pense que dans les jours à venir, dans les jours à venir, ce qui moi j'attends de lui là, il peut faire sortir. Parce que lui-même, dans la vidéo qu'il va dire, où il va dire, il y a les vérités, il va faire sortir. C'est quelle vérité? Il n'y a pas de problème. On attend ce jour de vérité-là. Il dit une heure seulement, là. Lui, il va parler et il va dire des vérités. On attend. Sinon, Charles Blé Goudé a parlé. Oui, il a dit une minute de silence. Que quand lui, il était à la haie, il y a eu des morts qui sont passés en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Quand on vous dit des politiciens, c'est fou des gens là. Voici, ça a commencé encore. Ça a commencé encore. Ceux qui ont des oreilles, écoutez très bien ce que Charles Blé Goudé va dire. Tous ces discours qu'il a fait là. Moi, j'ai. C'est zéro. C'est zéro, c'est bidon. Moi, à mon avis, c'est bidon. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et après ça, parce que moi, j'aimerais lui parler. Et aussi, j'aimerais parler cette jeunesse qui sont mobilisés à l'île du Nord. Oui, c'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Faites très attention. Le terrain où vous dansez là, le terrain très glissant, faites très attention. Parce que ce gars-là, lui, il a parlé, il y a d'autres qui ont accepté ces discours-là. Mais moi, dans mon cœur, dans mon âme, ça résonne et puis ça sort. Écoutez bien son discours, après je vais décortiquer. Je sais qu'il y a d'autres, il y a les paragraphes, je peux oublier, mais il y a d'autres aussi qui. Dans ma, moi, j'ai ce message, dans ma, j'ai compris. Il y a d'autres aussi, je pense qu'ils ont les oreilles aussi pour mieux comprendre. Lui, il dit, on va décortiquer, non? Oh, moi, je suis là pour. Lui-même, dans sa vidéo, il va dire, on va décortiquer. Moi aussi, je suis là pour le suivre de près et je vais décortiquer ses dits. On est dans la famille. Voici la vidéo de Charles Blé Goudé, son arrivée en Côte d'Ivoire. Ils ont confisqué mon passeport et à l'aéroport Seigneur, 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 aie pitié de cette jeunesse-là. Aie pitié de cette jeunesse-là. Sinon, vraiment, ces jeunesses-là n'ont rien encore compris dans la vie. Voici la vidéo. Peuple de Yopougon, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis merci. Applaudissements. Ah, merci. Merci, voilà, merci. Je voudrais saluer d'abord tous les partis politiques qui sont venus ici. Malgré la pluie, ils sont allés m'accueillir jusqu'à l'aéroport. Parmi ces partis politiques, il y avait le MGC de Simone Bagbo. Elle-même, elle était là, il faut l'applaudir très fort. Elle s'est déplacée pour aller m'accueillir à l'aéroport. Après le MGC, le Front populaire ivoirien était représenté au haut niveau et son président Pascal Affingessa est venu m'accueillir, il faut le saluer. Et il y a Daniel Boni Claveri qui s'est déplacé et qui est venu me saluer aussi, qui est venu m'accueillir. Voyez-vous, il y a aussi d'autres partis politiques qui auraient bien voulu faire le déplacement pour venir à l'aéroport, mais les conditions sécuritaires n'ont pas permis. Il faut aussi préciser que ici, le PPACI a envoyé une délégation de 5 personnes pour venir nous saluer. Tout le monde était là. Tout à l'heure, au niveau des mouvements, vous venez d'écouter.
les anciens de la FESI, mes amis, avec qui j'ai fait l'université, les différents secrétaires généraux sont assis là, il faut les applaudir très fort. Et puis, parce qu'aujourd'hui là, c'est une journée de remerciements. C'est une journée de remerciements. Il y a le président du comité d'accueil, le grand frère Boga Sako, qui pendant que moi j'étais à la haie et que je l'ai désigné pour faire en sorte que tout se passe bien, il faut applaudir mon grand frère Boga Sako. Et il y a le comité d'organisation, dirigé par le commandant Poté Joël. Ce comité a travaillé d'arrache-pied. Il faut applaudir le comité très fort. Et vous savez que j'étais en Europe. J'étais loin de vous. J'étais loin de vous. Mais il y a des Ivoiriens qui m'ont rejoint dans ce combat. Qui ont pris le relais. Et qui en Europe m'ont apporté leur soutien. Quand ils ont appris que je devais venir ici, ils étaient plus de 200 à avoir payé leur billet d'avion. Ils sont sous ces bâches. Il faut les acclamer très fort. Ceux qui n'ont pas pu venir, je veux parler des Ivoiriens de la diaspora. Ces gens, j'ai du respect pour eux. Quand on te met en prison, loin de ton pays, tu es isolé. Et quand quelqu'un prend son temps dans la neige, dans le froid, vient te rendre visite, il faut le reconnaître. Mon grand-père m'a dit, vous voulez un proverbe? Vous voulez un petit proverbe? Donc mon grand-père m'a dit, quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Donc je voudrais ici que vous applaudiez tous les Ivoiriens et les Africains de la diaspora. Je leur dis merci. Je leur dis merci, ils sont en France, ils sont au Danemark, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, il faut leur dire merci. Il faut les applaudir beaucoup plus fort que ça. Et il y a mes camarades du COGEP qui étaient ici. Ici, c'était difficile. Eux, ils devraient en même temps se cacher et puis faire vivre le COGEP. Et ils n'ont pas vacillé à gauche. Ils n'ont pas vacillé à droite. Ce sont des tonneaux pleins. Et je voudrais toute la direction du COGEP, tous les coordinateurs du COGEP, tous les militants de base du COGEP, il faut les applaudir très fort. Et il y a les militants, il y a le mouvement de soutien. Je ne vais pas en citer certains pour ne pas oublier d'autres. Mais tous les mouvements de soutien, je voudrais ici, ceux qui, malgré le fait que j'étais en prison, et eux, ils se réclamaient de moi. Il faut être courageux pour le faire. Mon grand-père m'a encore dit. Mon grand-père m'a encore. Mon grand-père m'a encore. Il a dit, mon fils, c'est pendant la tronche sèche que l'arbre compte les feuilles qui lui sont restées fidèles. Applaudissez-moi ça très fort. C'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles qui lui sont restées fidèles. Ce que nous avons traversé, c'est plus qu'une saison sèche. Mais pendant ce temps, ils sont restés là. Les mouvements de soutien, les camarades du COGEP. Et... Mais vous aussi, vous êtes restés là, non? Merci. Je vous dis merci. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez accepter. Parce que certains ne comprennent pas. Moi, j'étais en prison chez les Blancs. Je suis sorti de prison. N'est-ce pas? Bon, les gens rentrent. Les gens rentrent. Les gens rentrent. Et puis moi, Bappé, je suis bloqué. Et puis, mon tour est arrivé pour que moi aussi, je puisse rentrer. Donc, il est... Il est... Il est l'heure. 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 C'est ça. Il est l'heure. Il est l'heure. Merci. Donc je suis rentré. Et moi, je suis un homme, je sais être reconnaissant. Quand tu as fait mal, j'ai dit tu as fait mal.
Mais quand tu as bien fait, je sais reconnaître aussi le bien fait. On peut être des adversaires politiques, mais quand un adversaire politique pose un acte, il faut le reconnaître. Je reconnais ici, devant vous tous, le fait que, de bout en bout, mon dossier de retour ait été suivi par le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais ici lui dire merci pour ça. Je voudrais lui dire merci pour ça. Quand j'ai dit ça, il y a Daniel qui dit non, c'est un traite. C'est un traite. Bon. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Mais je ne suis pas de passage. Mon grand-père m'a encore dit. Mon grand-père m'a dit, c'est pas tous les pagnes qu'on met au soleil. C'est pourquoi je vais me taire. Mais je voudrais donc vous dire, en tout cas, devant tous les médias du monde entier, je dis merci aux autorités de la Côte d'Ivoire qui ont facilité mon retour. Comment j'ai su que c'était important, et je vous le dis publiquement aujourd'hui, hier, camarades, écoutez-moi très bien. Pendant que vous m'attendiez ici, hier, en réalité, quand j'ai dit que je venais le 26, moi, ici, en général, depuis le 25, j'étais au Ghana. Depuis hier, j'étais au Ghana. Mais j'ai géré les formations. Pourquoi je dis ça? Au Ghana, j'arrive. Je suis avec toute ma délégation. Les autres donnent leur passeport. Fia, ça passe. Ils passent. Fia, ça passe. Bon, le tour de Bleu Goudé est arrivé. Je donne mon passeport dans l'ordinateur avec ping, 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 ping. Ici là encore. Ici là encore. J'ai fini à SCPI. Ici là encore. Donc, la femme me dit, monsieur, passez de côté. Donc, je me mets de côté. Elle me dit, il y a un mandat d'arrêt contre vous. Ici là encore. J'ai dit, ah, madame, c'est quitté où? Elle dit, non, les autorités de votre pays ont demandé qu'on vous arrête. J'ai dit, depuis quand? Elle dit, c'est depuis 2018. J'ai dit, bon. Bon, comme tu dis que ce sont les autorités de mon pays qui ont dit de m'arrêter. Mais je t'ai dit que moi, je m'arrête chez eux. Mais donc, laisse-moi, je vais aller où m'arrêter là-bas. Ah. C'est ainsi que ma délégation et moi, on a joint celui que le président de la République avait désigné pour suivre le dossier, le chef de cabinet du président. On l'a appelé, on dit, ah, Adia, on est dans quoi? Il dit, d'après à quoi? Il dit, ah, on dit que je suis arrêté ici. Il dit, passe-les-moi. Et il a joint le directeur général de la police de la Côte d'Ivoire qui a appelé Interpol. Et dès l'instant où ça a été... Moi, j'étais assis là dans mon coin. J'étais avec mon petit sac. J'étais avec mon petit sac. Et le directeur d'Interpol vient dire, monsieur Blais, je vous prends mes excuses. Les autorités de la Côte d'Ivoire ont dit qu'il n'y a plus de palabres entre vous et que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, je lui dis ok, merci. Il dit non, il y a le ministre de la Sécurité du Ghana qui veut te parler. Il dit, ah mais il faut me le passer. Bonjour, monsieur le ministre. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Il dit, vraiment, je vous prends mes excuses pour cet incident. Et on s'est séparés. Mais pourquoi j'ai évoqué cet incident? Cet incident m'a permis de savoir qu'en réalité, quand on m'a dit de venir, c'était franc, c'était sincère. C'était franc, c'était sincère. C'est pourquoi je remercie ici à Yopougon. D'ici, je remercie les autorités de la Côte d'Ivoire pour avoir facilité mon retour ici. Parmi vous aussi, je vous vois aujourd'hui, c'est grâce à eux. Il faut applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, quand je n'étais pas là, quand je n'étais pas là, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Des gens qui n'ont pas choisi de mourir sont morts à cause de la politique. Or, pour moi, la politique doit donner la vie. La politique ne doit pas ôter la vie. Alors, en leur mémoire, tous, on va se calmer. Une minute de silence en la mémoire de nos disparus, de tous les bords politiques que ce soit. Parce que la mort n'a pas de camp politique. La mort n'a pas d'ethnie. La mort n'a pas de religion. Nos amis qui sont morts pendant la crise, nous avons la chance, nous sommes en vie. Jusqu'à ce qu'on célèbre mon retour aujourd'hui. Ça aurait pu être nous. Taisons-nous une minute, s'il vous plaît.
Merci. Chers amis, j'ai rêvé de ce moment. Depuis ma cellule de prison, j'ai rêvé de ce moment. Et vous aussi, vous avez rêvé de ce moment. Mais la seule chose que vous devez savoir, quand quelquefois je devais perdre le moral et que je pense à vous, j'ai encore 10 fois plus le moral. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu comme difficulté. Parce que mon grand-père m'a dit, quand un père de famille vient de la chasse et donne le gibier aux enfants, il ne leur raconte pas ce qu'il a vécu comme difficulté au champ. Je suis venu. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Parce que ce pays a été blessé. Ce peuple a été traumatisé. Le peuple que vous êtes là, vous avez besoin d'un discours qui vous rassure. Qui vous rassure. Parce que ce que vous attendez de moi, ce ne sont pas seulement des discours de mobilisation. C'est qu'un jour, chacun de vous puisse avoir du travail. C'est qu'un jour, chacun de vous puisse nourrir sa famille. Mais parce qu'on est fatigué de dormir dans le salon des gens. Donc quand moi je vous vois comme ça, j'ai une lourde responsabilité. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu. Vous avez souffert. Moi, j'ai été transféré en prison. Je suis venu. Mon devoir, c'est d'accompagner ce processus de paix. Pour que vous, là, quand vous allez dans vos petits jobs, dans vos petits jossies, vous n'ayez pas la peur au cœur. C'est pourquoi je suis là. Vous avez réclamé votre paix est là. Et vous allez m'accompagner dans ce processus de paix là, dont notre pays a besoin. Ce pays-là, c'est notre pays. Ce pays-là, c'est notre pays. Quand je dis c'est notre pays, on ne doit pas le détruire. On ne doit pas le détruire. C'est pourquoi je suis venu ici. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je ne vais pas trop parler. Parce que je ne suis pas de passage. Je suis venu ici pour des bons. J'aurai le temps de vous parler. Voyez-vous, sous ces bâches, il y a mes parents. Mes parents qui ont quitté Guiberoua. Mes parents qui ont quitté Kwagulabré. Qui voulaient me voir. Qui voulaient me toucher. Est-ce que leur fils est vraiment de retour? Il faut crier pour qu'ils attendent que leur fils est de retour. Je voulais leur dire merci. Vous qui êtes derrière ici. Vous. J'ai fait la résistance avec vous. J'ai fait la paix avec vous pour que demain on puisse construire la Côte d'Ivoire ensemble. J'ai entendu quelqu'un dire Blaise Goudé sera notre prochain président. J'ai entendu ça. Hein? Et qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais moi je n'avais pas entendu. Bon, j'ai entendu maintenant. J'ai entendu. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est vous qui avez dit ça. Hein. Où on est venu à Yopougon ici là? Ça a fait le président là. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Qui a dit ça? Mais je n'ai pas entendu quand vous avez dit ça. Bon, merci. En tout cas, chers amis, la pluie n'a pas eu raison de vous. Et c'est la première fois dans ce pays qu'une pluie tombe comme ça. Et au fur et à mesure que la pluie tombe, le peuple est en train de danser. Et le leader n'est pas resté dans une voiture climatisée. Moi, mais ici mouillé de pluie aussi. Voilà. Parce que je suis avec vous. Et puis on est ensemble. Donc, chers amis, pour être beaucoup plus sérieux, nous venons de très loin. On a dit que à la CPI, quand on va, on ne revient jamais. Je suis arrivé là-bas. Je regarde les gens là, eux aussi me regardent. Donc je les regarde, et puis eux me regardent. Je dis, madame le juge, on m'a dit qu'ici, là,
Quand on vient, on ne part jamais. Mais je vous informe que moi, je suis venu, je vais repartir chez moi un jour. Je suis là. Je suis là. Papa est là. Il 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 est là. Et je suis là. La leçon, la leçon, la leçon, la leçon que vous devez tirer de mon attitude. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Je suis allé en votre nom. Je suis resté droit. Je n'ai pas tremblé. Ce conseil-là, ne l'oubliez jamais. Vous devez rester des gens de conviction, des gens de valeur. Quelle que soit votre pauvreté, quelle que soit votre situation sociale, vous devez rester droit. Il y en a qui disent souvent, oui, ah, on n'a pas le choix. Oh. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Seulement, chaque choix a sa conséquence. Maintenant, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de ton choix? Moi, j'ai assumé les conséquences de mon choix. Je suis allé vous représenter chez les Blancs. Je suis allé vous représenter à la Cour pénale internationale. J'ai choisi des jeunes avocats. Ils étaient ivoiriens, ils étaient africains. Ils n'ont pas tremblé devant la Cour pénale internationale. Ces jeunes gens ont dit on peut être ivoirien et on peut ne pas avoir peur. Et nous sommes allés, nous avons représenté valablement et nous voici aujourd'hui parmi vous. Nous sommes de retour, nous sommes venus avec le trophée de la vérité. C'est ça que je voulais vous dire. Une fois encore, je voulais vous dire merci. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler politique. Parce que je ne suis pas pressé. Je sais que vos oreilles sont pleines. Je sais. Mais je ne suis pas pressé. Je suis arrivé. Je vais prendre toutes les informations. À cette même place, on fera un meeting politique. Où je vais aborder tous les sujets. Et comme la presse est là. Je donne rendez-vous à la presse. Dans quelques semaines. À une grande conférence de presse. Où nous allons aborder tous les sujets. Je dis bien tous les sujets. Et si j'ai honte, si j'ai posé un pas gauche, si je n'ai pas suivi ma conviction, si je n'ai pas pu faire la différence entre le combat et la querelle, vous serez là pour me juger. Vous serez là pour me juger. Vous serez là pour me juger. Mais ne jugez jamais quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ne jugez jamais quelqu'un. Jeune de Côte d'Ivoire, ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit. Prenez le temps d'écouter aussi la version de celui dont on vous a parlé. Si aujourd'hui, la CPI nous a acquittés, c'est parce que la CPI nous a aussi écoutés. Je vous dis ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils se prennent, ils parlent seulement. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a raconté sur la personne. Moi, je suis arrivé. Tous les sujets seront décortiqués. Parce que, où je suis allé à ce pays-là, je n'ai pas volé et puis on m'a amené. C'est parce que j'ai représenté valablement notre cause que parmi tous les collaborateurs, c'est moi seul qu'on a pris pour m'amener à ce pays. Mais je suis très en colère. Je suis très en colère. Quand j'en parle, je suis très en colère. Mais, comme il vient d'arriver, il va boire de l'eau d'abord. Il va boire de l'eau d'abord. Et puis, mais quand j'ai dit là, il est l'heure, est-ce que vous savez il est l'heure de quoi? Il est l'heure de la vérité. Il est l'heure de la vérité.
11 ans de mensonges. Une seule heure de conférence de presse. 11 ans de mensonges. J'ai dit, il n'a pas dit, il a fait 2 heures. J'ai dit, une seule heure de conférence de presse pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de menteurs. La Côte d'Ivoire a besoin d'un chef qui dit la vérité. Vous avez compris? Je voudrais donc ici vous saluer. Ouais, allez-y, 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 je suis d'accord avec ça, allez-y, allez-y. Je n'ai pas entendu. Il y a caillou dans mes oreilles. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, une fois de plus, je voulais vous dire merci pour cet amour. Grâce à vous, je retrouve la force. Et je vous dis, cette lutte que nous avons menée, je ne vais jamais la trahir. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Voilà. Je suis venu et vous m'avez accueilli. Vous m'avez bien accueilli sous la pluie. Tu nous as bien arrosé, nous tous. Donc, on va se reposer. Restez à l'écoute. Je suis arrivé. Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, il y a caillou dans mes oreilles. Et comme je suis là, si j'ai aussi... est-ce que Solange est là? Elle n'a qu'à venir. Chers amis, je voudrais vous dire que ne désespérez pas de la vie. Moi, en temps difficile et en temps de crise, j'ai été votre chef. Dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Quand tout était mélangé ici, dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Quand les gens étaient désespérés puis se cachaient sous leur lit là, j'ai été votre chef. Quand les gens avaient déjà fait leur passeport diplomatique pour fuir la Côte d'Ivoire là, j'ai été votre chef. Votre chef est arrivé. Il est là, il est là. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Peut-être Joël, je suis arrivé. Et je voudrais vous dire que vous n'êtes plus des orphelins. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre chef est arrivé. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre chef est arrivé. Je voudrais dire aux camarades du COGEP, à la direction du COGEP, que c'est fini. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre patron est arrivé. Ouf, vraiment, on aura tout vu en Côte d'Ivoire. Jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne. C'est ceux-là comme cela. Vous voulez donner vos poitrines encore au 21e siècle là? Je suis de passage. Je suis de passage parce que ce discours qu'il a fait là, moi, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a même pas touché. Et j'ai vu que c'est foutaise. Tonton Charles Blé Goudé, moi, je ne sais pas. C'est rentré dans mes oreilles et puis c'est sorti. Toi, tu as dit, il y a caillou dans mes oreilles. Il y a caillou dans mes oreilles. Il y a caillou. C'est ça qui est rentré là. Arrêtez de jouer avec testicules. Tu peux jouer. Toi, mais tu as fini avec proverbe. Hein. Tu as fini avec proverbe. Tu dis, ton grand-père t'a dit. Moi aussi, mon grand-père m'a dit. Charles Blé Goudé, tu peux jouer avec le gorille. Tu peux jouer avec chimpanzé. Tu peux faire tout avec lui. Mais sauf ses testicules, on ne joue pas avec ça. Tu peux jouer avec le, tu peux jouer avec chimpanzé, le gorille, tout ça là. Nous, on appelle ça gorille. Tu peux jouer avec lui. Mais ces testicules-là, il faut éviter même de marcher à dessus. Il faut éviter même de caresser. C'est comme ça. Même une oka dit, oui, moustique peut s'asseoir quelque part encore. Tu peux limer, mais c'est toi-même tes propres testicules, tes propres joujoux. Si moustique vient s'arrêter là, toi-même tu caresses ça pour l'enlever. Donc tes proverbes, tes discours-là, ce n'est pas rentré dans mon corps. Comment toi tu viens, on t'attendait. Cette histoire de mettre les gens dans les rues, tu as été deuxième en Côte d'Ivoire. Tu as été deuxième à faire en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était le premier à le faire en 2002. En 2002. Laurent Gbagbo a fait ça en 2000, 2001, 2000. C'est lui qui a dit, quand il a dit il a gagné, puis il a dit aux Ivoiriens, venez dans les rues. C'est Laurent Gbagbo qui a commencé. Et toi, tu es venu terminer.
Donc, ce que toi, tu as mis dehors, toi, quand tu manges, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Si tu es en train de faire quelque chose, il faut arrêter. Descends dans la rue. Tu n'as pas parlé de ça. Hein? Oh, oui, Dieu. Non, mon petit. Vraiment. Il dit, si venu sur les réseaux sociaux, les gens ont problème avec moi. Là, ils ont problème avec moi. Tu n'as pas parlé de ça. C'est ceux qui sont morts hier, là, d'obéissance civile, là, 2020, là. C'est de eux, toi, tu veux parler, là. Pour dire, on n'a qu'à faire une minute de silence. Parce que, après vos trucs, là, quand vous êtes parti en prison, là, il n'y a pas eu la guerre derrière vous, hein. C'est des soi-disant, des faux types, vos faux cyber-activistes, un faux mouvement qu'ils ont créé pour dire société civile, là, où Bédi a donné 5 milliards, là, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, là. C'est ça seulement. Où des gens, des tarés comme ça, ils ont décapité le Toussaint, nos frères Toussaint, des gens, ils ont frappé, ils ont violé. C'est ça. À part ça, là, c'est de qui toi tu veux parler pour dire il y a eu des morts. Il y a eu des morts, là. Il faut nous dire. Charles Blégoudé, le pion qui t'a poussé dans Dame, là, t'as mal poussé. C'est pas là, là. C'est pas là, là, tu allais pousser. Donc, quand toi, tu sortais, quand tu faisais sortir des gens, et les gens partaient vers, chose, comment dire, au plateau. Les gens partaient à la place publique. Les gens passaient, les gars partaient vers, chose, comment dire, Pont Félix Feboigny, où il y a eu des morts. Tu n'as pas parlé de ça d'abord. Tu n'as pas parlé de ça. Tu as parlé de la guerre. Ceux qui sont morts dans la guerre. Mais et ceux que tu faisais sortir? Tu dis quoi? Donc, il faut arrêter. Arrêtez vos conneries là. Votre amusement bête-bête là, nous, on n'est pas dedans. Amusement bête-bête qu'on fait en Côte d'Ivoire là. Moi, je ne suis pas dedans. Prendre des gens, des tarés comme ça, eux, ils vont, ils pleut, ils sont à l'église, ils sont, si tu plus là, pour Charles Bleu Goudé, nos présidents. Il peut être président. Je n'ai pas dit qu'il peut pas être président. Il peut être président. Mais moi, j'ai dit son discours qu'il parlait là-bas, en Belgique, pour dire, lui, il va venir sensibiliser des gens. André, nous, on était tarés dans la tête. Il va parler de la paix, là. Ce n'est pas le discours, là. Moi, je voulais attendre. Bleu Goudé, des cyber-activistes, des cyber-mercenaires, des défenseurs de Blé Goudé. Si vous voyez ma vidéo là, dites-lui ce qu'il me veut attendre. C'est pas ça qu'il est en train de dire là. Il a encore le temps, il dit, maintenant il vient d'arriver. Non? Moi je le tiens en viseur. Je l'attends là. Il va, tous ces discours là, je vais prendre mon temps pour décortiquer. Je vais prendre mon temps pour décoter. Et puis, il n'a qu'à arrêter de nous parler de ces faux proverbes-là. Que ce n'est pas tous les pagnons sèches. Ce n'est pas tous les pagnons. Nous, on reconnaît que ce n'est pas tous les pagnons sèches. Donc, ces proverbes-là, nous, comme cela, là, nous, on a grandi à côté de nos grands-mères. Donc, si c'est des trucs comme ça, les trucs de sagesse, les trucs comme cela, là, nous, on a fini ça. Proverbe même. Moi, mais si. Et là, la famille, c'est son premier discours, là, il ne peut pas trop rentrer dedans. Vous comprenez? Je ne peux pas trop rentrer dedans. Mais je vais le laisser. Je vais le laisser. Mais c'est pour vous dire, peuple ivoirien, vous avez vu. Demandez, il y a ces traces encore, les traces. Babo a dit, oh, c'est pas. Quand tu marches, il faut laisser les traces. Quand tu marches, il faut laisser les traces. Blé Goudé a laissé ses traces. Il n'a pas parlé de ses traces. Où il faisait sortir des Ivoiriens, venaient dans les rues, il n'a pas parlé de ça. Mais il dit, il va prendre une heure pour dire la vérité. On attend cette vérité qu'il lui veut faire sortir là. Moi, je suis là, je suis à côté de lui. Charles Blé Goudé, il dit, ici assis par terre, puis il te regarde. Parce que tu as un discours là. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je suis toujours vigilant. Tu ne peux pas me vigiler là. Non. C'est mon mot qui est créé là. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux prendre. Moi, je suis vigilant. Tu ne peux pas me vigiler. C'est fouté ça. Tu as dit de jusqu'à nous, on a dit, ok. Moi-même, je ne suis pas pressé. Il dit, je t'attends. Donc, ce que les gars disaient là, André, il veut donner raison aux gars. Hein. Je veux vraiment donner raison aux gars. Hein. C'est à la fin, tu as mis les gars, ceux qui sont morts dans la guerre.
tu as mis. Et c'est à la fin, tu dis non, que oui, ceux qui sont morts dans la guerre. Et ceux que tu faisais sortir, là, tu dis quoi? Tu dis quoi à leurs parents? Tu dis quoi à leurs parents? Arrêtez de jouer avec nos testicules. Parce que nos testicules enflés, ça va péter. On n'aime pas ça. Nous, les Ivoiriens, on n'aime pas ça. Foutaise à trop, c'est trop. Tu as vu? Non, mais tu l'as bien dit. Oui, les autorités ivoiriennes sont sincères. Ils sont sincères. Toi, tu es allé en prison. Tu es venu, non? Tu parles de sincérité. Mais à vos temps-là, des gens, si à vos temps, si vous avez eu un courage comme ça, et plus bon que comme ado là, Guy Robert au moins, il pourrait dire non, que vous êtes gentil, vous êtes sincère. Mais où Guy Robert est parti? Guy Robert, on parle de son passé. On ne parle plus de son présent ni futur. On parle toujours de Guy Robert passé. Affaire est partie où? Et je vois Simone aussi. Et Simone est venue m'accueillir. Simone Serme s'est déplacée. Je vois Fingé ça. La famille. Cette énergie est en train de rentrer dans mon corps. Le PPS, le FPI qui s'est divisé en quatre parties là. Ils sont dans ma paume comme ça. Je vais les allumer maintenant. Là, là. Charles Bleu Goudet est venu s'ajouter. Simone même là. Maman Simone, moi, il a caressé parce que c'est une femme, je ne pouvais pas trop rentrer dans ces 6 mètres-là. C'est pour cela, moi, j'ai évité un peu. Mais elle est venue se livrer. Elle est venue se livrer. Charles Bleu Goudou aussi. Lui, il est encore dans l'autre viseur. Je l'attends. Afingé ça, faites très attention. Il ne faut pas tomber dans cette magouille-là. Toi, depuis fort longtemps, ils t'ont dit à classer. On dit, toi, tu es le premier traître. Fais très attention. Le terrain où toi, tu veux jouer là, le terrain est très glissant. Laisse ceux-là, ils vont se manger entre eux. Reste tranquille. Reste tranquille. Charles Bleu Goudé, ministre Charles Bleu Goudé. Tu dis, tu es général, Charles Bleu Goudé. Moi et tata, ici, assis par terre. Je ne peux pas trop parler. Mais ton discours-là, ça ne me fend pas. Le discours-là n'a même pas pesé mon cœur. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens même qui ont perdu leurs parents. Il y a des gens qui ont fait ça. Toi, tu fais une minute de silence. Et une minute de silence que tu fais, tu parles de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts dans l'obéissance civile. Parce que après vos trucs, il n'y a pas eu de rébellion ou de temps en temps. Ou soit tu parles de Diga Arafat là ou bien. Par exemple, les Diga Arafat, quand vous étiez au pouvoir là, et en prison, là, les Diga Arafat, les tatatans sont morts. C'est de ceux-là que tu veux parler? Moi, je n'ai pas ça, ça ne rentre pas. La famille, je ne peux pas trop parler, je suis patient. On dit, quand tu veux rôter, il faut regarder à gauche, à droite, si on ne te regarde pas. Donc, il regarde à droite, il regarde à gauche. Blé Goudé, je te regarde. Tu n'as rien encore dit. Je ne peux pas trop aller, je ne peux pas trop pousser le pion. Que lui, là, mauvais côté que lui l'a poussé, là, moi, ça ne me gagne pas, ça ne me rentre pas. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Dites à Blé Goudé Charles que son discours qu'il est en train de lancer là. Moi, je ne suis pas là avec ça. Voilà. C'est des gens, je ne sais pas c'est quoi, ou soit ils ont bu bière, ou on les a donné bière gratuite, c'est pour cela. Sinon, l'homme, tu es conscient. L'homme, tu as mis des gens dans les rues. Venez, faites ça, il y a eu des morts. Si ce gars-là, tu vas venir, moi, je vais aller dans les rues. Encore? C'est-à-dire, vos cerveaux, même, c'est encore petit, André Moineau. Hein? Des jeunes, là. Vos cerveaux, là, c'est encore Moineau, hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça y est, pour qu'on peut aller faire des manipulations comme ça. C'est vous êtes là en train de fouiller dans un truc. On dit tout le monde en train de chercher à travailler. Vous êtes là, courir derrière des gens, courir derrière des véhicules. Ah, Charles, ton discours là, ça ne me fend pas. Ton discours là ne me fend pas.
Oui, ton discours là ne m'effraie pas. La famille, je vais m'arrêter là, là. Mais je le tiens à l'œil. Je vous dis à très bientôt.